Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette carte. Alors c'est très particulier, je fais une vidéo en deux parties parce que pour celles et ceux qui auront regardé le choix numéro 1, il y a une coupure d'électricité chez moi, il y a une tempête pour le coup qui nous a interrompus. Donc c'est pour ça que je fais eh bien, le choix numéro 1 en partie 1 et le choix numéro 2 en partie 2. Et c'est très particulier parce que j'ai voulu recommencer la guidance plusieurs fois. Et en fait, à chaque fois, ça a coupé. Voilà, coupure d'électricité totale. Donc là, j'ai allumé des bougies. Et en fait, en prenant des bougies comme ça, à l'instinct, j'ai envie de dire, je me suis dit, bon, bah, je vais en mettre suffisamment pour parer à une éventuelle nouvelle coupure. Et j'ai essayé de refaire la vidéo 4 fois. Donc pour moi, c'est très significatif ce qu'on est en train de m'envoyer pour vous. Parce que du coup, j'ai gardé les cartes que j'ai, hein, que j'avais tirées, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, dans une situation, tu vois, ce qui vient à toi, c'est une grande stabilité. En fait, c'est comme si, tu vois, je te vois, tu as choisi cette carte, hein, c'est le fait de ne pas prendre de risques, le fait d'être prudent ou prudente dans une situation, mais également en fonction de la couleur des bougies que j'ai choisies, j'ai vu de la protection, en fait. C'est comme si dans une situation, ce qui venait à toi, c'était le fait de te protéger dans une situation et de lâcher aussi quelque chose qui aura été douloureux pour toi. C'est comme si, tu vois, on est en train de me dire là pour un certain nombre de personnes, peut-être que tu as essayé de faire quelque chose, ou tu as essayé dans une relation, et ça n'a pas fonctionné, ou tu as essayé plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Et là, ce qui vient à toi, ce qu'on t'assure, c'est une stabilité, en fait. Une stabilité, une libération de schémas répétitifs, d'accord? Qui ne fonctionnaient pas, en fait. De choses qui n'ont pas fonctionné. Là, je m'adresse à des personnes qui ont essayé plusieurs fois, de faire fonctionner quelque chose. Cela peut être une relation amoureuse, un travail. Voilà, cela peut être du relationnel, familial, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Tu as essayé plusieurs fois ou à plusieurs reprises. Eh bien, j'ai envie de dire, tu t'es cassé la figure, ça n'a pas fonctionné et éteint un rideau, quoi. Il y avait rien. Ça n'a pas abouti. Et là, tu vois, c'est très particulier parce que dans le tirage, du coup, dans ce que j'avais tiré, j'avais la lumière. Et là, je me suis éclairée à la bougie, littéralement. Donc, je suis évidemment, j'ai toute mon installation de couleurs, mais j'ai également allumé des bougies. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu es guidée dans la situation. Tu as la lumière en fait et tu vas enfin voir la lumière au bout du tunnel, j'ai envie de te dire, dans ce nouveau départ, parce que j'avais le nouveau départ qui est ressorti plusieurs fois, à chaque fois que j'essayais de refaire le tirage, et j'avais la célébration également. Donc il y a quelque chose que tu vas célébrer, il y a quelque chose qui va fonctionner, qui va réussir pour toi, et tu vas le célébrer. Également, ce que ça me dit, tu vois, je suis dans des énergies ultra, clac, 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 très rapide. Donc je pense que tu as envie de mettre en action certaines choses ou tu travailles à une mise en action, même si tu restes prudent ou prudente dans une situation et que tu ne prends pas trop de risques, tu vois. Tu prends des risques mesurés. Ce qui vient à toi, c'est la réussite. La réussite est sur toi. Et c'est comme si, tu vois, c'est très particulier, comme si tu avais été marqué, soit dans la vie, ça peut être même physiquement. Soit comme si tu avais été choisi pour accomplir quelque chose. C'est très particulier, voilà, ça parlera à certains, certaines, ça doit résonner en toi, mais je pense que il y a quelque chose que tu vas célébrer, quelque chose qui va te mettre en joie. Et tu vois, là, je coupe, j'ai la croissance. C'est, pour moi, il y a une évolution. Dans ce nouveau départ, dans ce qui vient à toi, c'est une élévation, tu vois, j'allais te dire, une élévation. Une évolution, une croissance qui est certaine, qui t'est destinée, elle est à toi, elle est pour toi. Et peut-être que quelque chose que tu n'as pas réussi par le passé va fonctionner ou ça va. Tu vois, je te disais, j'ai essayé 4 fois, j'ai l'ancrage. Là, pour moi, j'ai des personnes qui vont vraiment stabiliser quelque chose. Alors, cela peut concerner également un domicile, d'accord, une relation, un travail, l'aspect professionnel, l'aspect relationnel, l'aspect familial. Il y a quelque chose, en tout cas, qui pour toi ressemble
de très près à ton paradis sur terre. Magnifique. C'est ça qui vient à toi. Magnifique. Pour mes amours du choix, numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à toi? Je veux que ça saute. Là, c'est pas retourné. Qu'est-ce qui vient à toi? C'est magnifique, hein? C'est très lourd de sens pour moi. Et tu es protégée hein, dans la situation. Ne t'inquiète pas. Et ça n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné par le passé que ça ne fonctionnera pas. Oh oh! Ok, je vais te montrer la carte. Hein. Ok, j'ai compris. Ok, qu'est-ce qui vient à toi? Ok, bon. Ok, ce qui vient à toi, là, ce que je vois, c'est le passé, hein, c'est quelque chose en lien avec le passé, peut-être avec une relation du passé, d'accord? Une personne qui n'a pas accès à toi ou à qui tu ne donnes pas accès. Et cette personne avec qui il y a eu des blocages, d'accord? Peut-être pour se mettre en couple où il y a eu des blocages dans la relation, il y a eu des illusions, il y a eu des choses qui t'ont blessé. Cette personne va faire preuve d'audace. C'est ça qui vient à toi également. Alors, est-ce que tu vas lui donner accès à ta personne? Je n'en suis pas certaine. Ça, c'est toi qui choisiras le moment venu. Tu vois, parce que toi, comme je t'ai dit, tu vois, tu prendras pas de risque, tu vas être prudent, prudente dans une situation. Ouais, tu vas avoir le choix en fait. Le choix de faire confiance parce que c'est peut-être une personne avec qui il y a eu des illusions ou avec qui les choses n'ont pas fonctionné, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des allers-retours. Ok, pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on me dit? Regarde, je savais que ça allait encore couper, c'est fou, hein? C'est fou. Bah là, on est éclairé à la bougie. Voilà. Donc, c'est pas le même éclairage. Mais c'est un éclairage, tu vois, on est en train de te dire, ne t'inquiète pas dans la situation, tu seras protégée. Et quoi qu'il en soit, la lumière sera là. Tu vois, même si y a quelque chose qui se stoppe, la lumière sera là. Tu vois, parce que je te vois comme un peu dans une situation un peu en mode survie peut-être par rapport à une personne. Ok. Ok, bon là on me parle d'une personne. Tu vois, avec qui il y a des drapeaux rouges, il y a des choses. Tu vois, j'ai la protection. La protection. Ah, tu vas pas voir. Mais cette femme se protège en fait dans la situation par rapport à une personne. Avec qui, dont tu es séparée. Ok, donc ce qui vient à toi, c'est quelque chose, voilà. Tu vas te protéger, tu ne vas pas prendre de risques, tu vas être prudent, prudente dans une situation lorsqu'une personne du passé reviendra. Et malgré tout, tu vois, c'est fou, je t'ai parlé de célébration d'évolution. On te parle d'engagement hein, dans ta vie amoureuse. On te dit qu'il y a, eh bien, dans ta vie amoureuse, un engagement. Un passage à l'action, quelque chose qui va passer à une étape supérieure, en fait, dans une relation avec une personne. Bon, je vois beaucoup de flirt entre vous et je vois de l'amour. Ok. Donc, possiblement, tu vois, tu vas être prudent, prudente dans une relation avec une personne, soit une personne du passé, soit à cause de ton passé, de ce que tu as vécu. Ok. Quoi d'autre pour mes amours? Qu'est-ce qui vient à toi, là? Ouais, tu vois, c'est comme si tu avais envie de préserver, de te préserver dans une situation, de préserver ce que tu as construit également, ou également ce qu'on me dit de préserver, comment dire, ta sécurité, ton intérieur, ta sécurité intérieure, tes émotions, tes sentiments, également ce que tu as construit peut-être d'un point de vue matériel. Ok? Que peut-on me dire de plus là, ce qui vient à toi? L'âme, pour moi, j'ai un succès, j'ai quelque chose qui va être tranché dans une situation. Alors, pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait également ce qui vient à toi, c'est tu t'es séparé officiellement d'une personne et ça vient à toi. Ok, il y a le succès dessus. Oh, bon. Ce qui vient à toi. J'adore. Écoute, j'adore. Je vois beaucoup de passion. Ou une personne
qui a énormément, énormément de désir pour toi. Ok? Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, je sais pas. Alors, soit tu te sépares et tu te mets avec une nouvelle personne, soit c'est cette personne à qui il y a eu des illusions, des désillusions même, enfin voilà, des complications, et finalement, vous mettez d'accord pour vous remettre ensemble, mais vous y allez doucement et de manière précautionneuse pour aller avancer vers un engagement. J'ai une grosse dualité pour toi. Hein. J'ai une grosse dualité dans le fait de j'y vais pas, je le fais pas. Est-ce que je me préserve? Est-ce que je prends le risque en fait avec cette personne? Oh, pour certaines personnes, ça va arriver vite. Hein. Ça va arriver vite. Ça va dépendre de vous, on me dit. Ok, quoi d'autre? Je te vois passer du temps avec tes amis ou avec des personnes proches. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient à toi pour mon groupe numéro 2? Oh, c'est magnifique. On te dit ne t'inquiète pas, les choses ne seront pas toujours telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Il y a un changement qui est à venir, d'accord? Mais un changement positif. Ok, on te dit, voilà, ne lâche pas en fait face à une personne peut-être avec qui tu n'es pas d'accord, avec qui tu es en opposition, une situation qui ne te convient pas, ne lâche pas le morceau en fait. On te dit vraiment, montre de la force face à cette personne, à cette situation. Ok? Ne lâche pas, j'ai envie de dire, tes standards, ne lâche pas ce qui est important pour toi. Ok. Il est possible que là, à l'heure actuelle, tu te sentes fatiguée ou frustrée dans une situation. Mais on te parle vraiment de la naissance ou de la conception, soit d'un enfant, soit d'une nouvelle entreprise, soit de quelque chose de nouveau, qui a un nouveau projet en fait. Tu vois, je te parlais de nouveau départ, qui va être très positif pour toi. Et là, on est en train de te dire, tu vois, dans la situation que tu es en train de vivre, ok, soit tu es prudent, prudente, ok, tu mesures les risques, etc., etc. Mais on te dit, là, à l'heure actuelle, il faut que tu fasses des plans, il faut que tu t'organises en fait pour aller vers ce nouveau départ positif. Et tu vois, on te dit qu'il y a une nouvelle personne qui va entrer dans ta vie ou qui va revenir dans ta vie. Ok? Quelqu'un qui va revenir dans ta vie. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai à dire là pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à toi? Tu as besoin de demander conseil. La première personne à laquelle tu penses est la bonne. Tu vois? Par rapport à quelque chose qui te préoccupe. Ok. Qu'est-ce qui vient pour mes amours là en conclusion? Dernier message. Qu'est-ce qui vient en conclusion pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui vient vers toi? L'ambition. Place ton regard au-dessus de la ligne d'horizon. Ne te mets aucune limite. Tout est possible. J'adore. La protection. Incroyable. Garde une aigle marine à proximité. Les larmes des sirènes sont connues pour créer ces pierres précieuses. Ok. Dans tous les cas, tu es protégée. On te parle de ton ambition. Donc, tu vois, qu'est-ce que tu souhaites mener à bien? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qui va fonctionner cette fois-ci? Peu importe le domaine de vie. Bon, on a vu aussi en lien avec l'amour, évidemment. Ok, on me dit pour un dernier message. Qu'est-ce que je peux te dire là pour mon choix numéro 2? Qu'est-ce qui vient à toi? En prédictif, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à toi? On nous parle du mois de juillet. Ok. Oh là là, c'est magnifique. Alors, il est possible qu'il y ait beaucoup de travail, d'accord? Peut-être même des déplacements, mais beaucoup de travail intérieur, physique, mental. Et tu vois, on te parle d'un gain financier qui vient à toi et c'est quelque chose que tu auras fait par le passé. Donc, c'est ultra positif. Ultra, ultra positif. Et tu vois, on te dit que tu vas triompher, tu vas prendre de la hauteur sur des choses qui t'ont troublé, des choses qui ont été floues, des obstacles que tu peux rencontrer. Donc, vraiment, tu vas renaître de tes cendres. Hein. J'ai le mois de septembre également qui sera significatif. Et on te dit qu'il y aura des opportunités qui viennent à toi. Ok? Donc, aie confiance. C'est magnifique. C'est fou, hein?
C'est comme si j'avais un goût d'inachevé, j'ai envie de donner quelque chose, un autre message. C'est particulier, là on me dit de prendre ça. Je vais te lire quelque chose pour conclure pour mes amours, s'il vous plaît, du choix numéro 2. Ok. Et tu vois, j'ai une datation. Cette carte donne une indication sur un événement, une rencontre, une relation du passé dont le contrat karmique peut laisser des stigmates dans l'instant présent. C'est une opportunité de libérer, tu vois, j'avais la libération tout à l'heure, je te l'ai dit, pour avancer et s'ouvrir à la nouveauté, on a parlé d'un nouveau départ, ce que je sème, l'acceptation, le pardon, ce que je reçois. La libération, la guérison et un esprit apaisé. Magnifique, mes amours. Là, voilà, je sens que c'est achevé, que tu as reçu tous les messages que tu devais recevoir. Dis-le-moi en commentaire, like la vidéo si ça n'est pas déjà fait. Partage, abonne-toi également. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances, mes amours. J'espère vraiment que ça a résonné en vous parce que là, c'était très puissant comme message. Je pense que vous l'avez ressenti également dans mes énergies et ma manière de vous transmettre les messages. D'accord? Je sens vraiment que vous allez reprendre du poil de la bête, quoi. J'ai vraiment... ça va booster. Vous êtes protégé dans la situation, d'accord? Donc, n'hésitez pas à demander la protection de l'univers, de vos guides, de la source, de Dieu, de vos anges, vos ancêtres, vos sœurs, peu importe vos croyances, vos guides, les êtres de lumière. Demandez la protection. D'accord? Et vous pouvez l'écrire sur un petit morceau de papier, le mettre soit sous votre oreiller, soit à côté de votre lit. Voilà, en disant je suis protégée, merci de me protéger, nanani, nanana. D'accord? Dans le détail, si vous avez besoin de détailler et de manière générale, voilà, savoir que vous êtes protégée dans la situation. D'accord? Vous êtes protégée. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous embrasse bien fort. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je vous dis à très vite. Et vraiment, je vous envoie toute ma protection et l'amour et la sécurité dans la situation. Mais c'est très positif ce qui est en train de se produire et surtout ce qui vient à vous. D'accord? Je vous embrasse bien fort.